piqué la famille, comment ça va? C'est Mike Bright pour What Happened Stories, votre magazine culturel axé sur les artistes visuels noirs. Cette semaine est un peu spéciale, pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans le cadre du Black History Month, et j'avais à cœur de mettre en lumière un artiste américain qui est une véritable légende dans le milieu artistique contemporain, et malheureusement qui n'est pas très connu du grand public. Donc nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur l'univers de cet artiste qui va vous plaire, j'en suis sûr. Ensuite, je tiens à faire une annonce très importante. Le What Happened Stories va être en suspens dans un temps indéterminé. En ce moment, je ne vous cache pas qu'il y a des changements professionnels importants dans ma life. Donc, il faut que je digère tout ça. Voilà. Mais je vous tiendrai informé sur la date de reprise de votre magazine. Ne vous inquiétez pas. En attendant, cap aux États-Unis pour un artiste bellissima. Les amis, je vous propose de découvrir un artiste majeur de la scène artistique contemporaine, à savoir le peintre Kerry James Marshall. Alors Kerry James Marshall, c'est une véritable star dans le milieu de l'art contemporain, mais paradoxalement, il est méconnu au niveau du grand public. Or, Dieu sait qu'il a une trajectoire très particulière qui mérite véritablement d'être connue. Alors Kerry James Marshall, il est né à Birmingham, en Alabama, mais il a surtout grandi à Los Angeles, dans le quartier de Watts, ce quartier qui s'est rendu célèbre, malheureusement, pour ses émeutes raciales en août 1965. Et il a grandi précisément tout près du quartier général des Black Panthers. Autrement dit, très jeune, il a été inspiré justement par ces différents mouvements d'émancipation noir américain qui ont forgé son état d'esprit. Au premier regard, les œuvres de Kerry James Marshall paraissent complètement anodines, puisqu'elle traite essentiellement de la vie quotidienne de la communauté afro-américaine. Mais nous ne nous y trompons pas, derrière cette façade enchantée se cachent des enjeux bien plus importants. À travers son œuvre, Kerry James Marshall dénonce l'invisibilité de la communauté afro-américaine, aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau culturel. Ainsi, Kerry James Marshall pointe du doigt le déclassement des classes populaires à travers la gentrification, mais également l'absence de figures noires dans l'histoire de l'art. Bien évidemment, chez l'artiste, la technique va se mettre au service de son message. Ainsi, vous remarquerez que dans chacune de ses œuvres, il y a un contraste saisissant entre ses arrière-plans qui sont colorés et les personnages centraux qui sont noirs. Et vous remarquerez aussi qu'il utilise différentes nuances de noir afin de jongler entre cette notion de visibilité et d'invisibilité. Pour ce faire, il va mélanger différentes teintes de noir, à savoir le noir ivoire, le noir de carbone, le noir d'oxyde de fer avec d'autres teintes, afin justement d'accentuer le fait que les noirs américains sont présents tout en étant absent de cette société américaine. Mon coup de cœur du jour symbolise parfaitement le style de l'artiste. En arrière-plan, vous avez un cadre très bucolique, un cadre verdoyant, vous avez des papillons, et au premier plan, vous avez des personnages qui courent, qui sont en train de fuir. Et bien évidemment, ça fait penser aux nègres marrons, à savoir ces noirs qui fuyaient la plantation du temps de l'esclavage. Voilà les amis, c'était la story de Kerry James Marshall. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne vous dis pas rendez-vous dimanche prochain comme d'habitude, mais restez connectés, je vous tiens au courant. Ciao, ciao, bye bye.